J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul Primark et Action. Pour être honnête avec vous, je vais pas très très bien parce que hier j'ai eu un, deux, trois. Hier, j'ai eu une petite mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle. Et du coup, je suis pas très très bien. J'ai fait un peu de shopping pour aller mieux et puis voilà. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée du tout. J'avais vraiment pas envie aujourd'hui. J'ai des cernes, mais voilà. On va pas en parler, c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. Je me suis dit que m'asseoir ici et filmer, ce serait bien. Je suis dans ma chambre, assise par terre, honnêtement. Et je crois qu'il y a un peu d'écho, mais malheureusement, je peux pas faire grand chose parce que je suis encore en train de ranger, etc. Voilà. Et c'est chiant parce que j'ai mis une robe, mais le truc il descend trop et j'ai l'impression qu'on voit tous mes boobs. Du coup, on commence tout de suite. On va commencer avec Primark parce que c'est là où j'ai le moins acheté. J'ai le ticket de caisse. On va commencer avec ce petit pot là. C'est un cache-pot. Je l'ai trouvé super mignon et il était vraiment pas cher. Il était en promo, comme vous le voyez. Au lieu de 3 euros, il était à 1 euro. Donc c'est vraiment que dalle. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé ça assez sympa. Je voulais en prendre un deuxième. Je sais pas pourquoi j'en ai pas pris un deuxième parce que j'aime bien avoir les choses par paire. Il est ni trop gros ni trop petit. Ça peut faire un joli cache-pot. Et en plus, vu que chez moi c'est beige en général, moi, je me suis dit ça irait. Enfin, quoi que, je sais pas. Il y a pas beaucoup de plantes chez moi, mais bon, bref, on va tester et voir si au pire, je m'en. Au pire, je l'utilise en mini poubelle de table. Enfin, je vais voir. Ensuite, j'ai pris deux comme ceci et c'était en promo également. En ce moment, il y a plein de promos chez Primark. Je sais pas pourquoi. Je sens pas. En vrai, j'y allais sans grande conviction. J'ai trouvé des petits trucs sympas. Donc voilà. J'en ai pris deux comme ceci d'ailleurs. Ah, voici le deuxième. À moitié prix. Donc au lieu de 4 euros, c'était 2 euros. Là, je sais pas ce que c'est. J'essaie de regarder sur l'étiquette, mais je vous avoue que j'ai pas compris. Il y a écrit juste light brown. J'imagine que c'est aussi des petits cache-pots de fleurs. Mais ils sont sympas. Et comme je vous ai dit, chez moi c'est beige, donc ça irait bien dans la déco. Voir, hein, je peux les utiliser en tant que verre, j'imagine. C'est sympa, non? C'est mignon. Et là j'en ai pris deux. Et pour finir chez Primark, j'ai pris ceci. C'est un petit mug avec le bas d'une femme. C'est trop mignon. J'adore. Donc voilà. Vous voyez les petites fesses. En vrai, je sais pas si. En vrai, je sais pas si je boirais dedans. Mais j'ai trouvé ça trop cute. Donc je l'ai pris. Et j'ai vu qu'il y avait un vase en forme de corps de femme. Je me suis tâtée à le prendre. Après je me suis souvenue que j'étais pas en voiture. Mais au final mon père est venu me chercher. Parce que oui, il a pris ma voiture. Donc j'avais pas de voiture. C'est pour ça que j'ai pas pris. Mais la prochaine fois je prendrai. Et j'ai vu une petite lampe aussi trop cute. Je vous l'avais partagé sur Insta. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop cute. Donc j'ai pris ça. J'adore les trucs un peu corps de femme, trucs un peu abstrait. Sauf que chez moi c'est encore le bordel partout. J'ai encore. Alors pour l'instant j'ai rangé que les toilettes et la salle de bain. Pour vous dire l'état de chez moi. J'ai commencé ma chambre. Comment vous dire, c'est compliqué de trier les vêtements quoi. Et ça c'était 3 euros. Pas en réduction, mais je crois que ça c'est nouveau. Et je voulais prendre, vous savez, à un moment il y avait le corps d'une femme en statuette façon et bah il y a plus en ce moment, donc je suis tristesse parce que je le voulais trop et je trouvais ça grave mignon. Oh, d'ailleurs j'ai enfin mes radiateurs. Et oui, et normalement ils sont censés fonctionner. Maintenant qu'ils sont posés, j'aimerais bien prendre des étagères et mettre au-dessus des radiateurs, etc. Comme ça je pourrais mettre de la déco dessus. Voilà, voilà, tout ça pour dire que j'ai pris ça. C'est mignon, je trouve, avec les petites fesses. Maintenant, voilà. On va passer à Action. Je commence avec quoi? Ce pourquoi je voulais absolument y aller, c'était pour prendre des paillassons. Parce que, honnêtement, il n'y en a pas chez moi encore. Même si ça fait genre 2-3 mois, 2 mois, 2 mois qu'on a emménagé. Et bah, on n'a pas pensé à prendre de paillassons. Et là, vu qu'on va entrer dans la période hivernale, enfin automne-hiver, il y aura de la pluie, tout ça. Et du coup, je me suis dit, c'est bien de prendre un petit paillasson pour essayer nos petits pieds avant de rentrer à la maison. Surtout connaissant mon père, en fait. J'ai pris celui-ci, il était cute. Il y avait écrit home. Il y en avait d'autres écrits, genre welcome et tout. Mais c'est, j'avoue, le premier que j'ai vu. Donc, j'étais contente. Donc, il faut que j'enlève la petite étiquette. D'ailleurs, il y a écrit quoi? Paillasson 39 x 59 cm. Moi, je voulais mettre ça à l'intérieur de la maison. Vous savez, je voulais en mettre un à l'intérieur et un à l'extérieur. Bah, il a dit, bah, ça, c'est mieux à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la maison, c'est beige. Et l'autre que j'ai pris, il est noir. Je vais vous montrer ça de suite.
Hop. Le deuxième que j'ai pris, il est plus grand, comme ceci. On voit même plus. Enfin, il est vraiment grand. Et celui-ci, il est plus fin. Et du coup, mon père, il a dit, bah ça, c'est mieux à la maison. Mais sauf qu'il est noir et j'aime pas trop que ce soit noir à la maison. Et là, il fait 60 par 80. À voir. Mince. Donc, il faut que je vois si ça rentre. Ça à l'intérieur parce que l'entrée elle est pas méga grande. En plus mon père il a mis un radiateur vers l'entrée mais qui sert pas, qui est inutile. Enfin bref, on verra. Mais en tout cas je l'ai pris. Ensuite, toujours pour mettre dans l'entrée, j'ai pris ceci, c'est le storage box. 3 tiroirs. C'est en 100% bambou. Il était à 7 € et quelques de mémoire. Il fait 20 cm par 13 par 17,50. Et je me suis dit, ça c'est bien pour mettre à l'entrée, vous savez, pour mettre tout ce qui est clé et petites conneries, j'imagine. Je vais voir, mais c'est pour organiser l'entrée de chez moi parce que c'est vraiment le bazar. Il y avait en différents coloris, il y a je crois blanc. Je voulais prendre blanc au départ, enfin c'est blanc que le contour et l'intérieur c'est en bambou. Mais après j'ai vu qu'il y avait déjà des traces genre noires etc. Et je me suis dit bon, ça va me saouler de laver tout le temps. Donc autant prendre ça, en plus comme je vous ai dit c'est beige chez moi donc ça va. Enfin ça va faire un peu plus jaune. Mais bon bref, ça va. Autant mettre des matières naturelles. Attendez. Je vais enlever. Ouais, non, c'est sympa. Il y a des petits tiroirs comme ceci. Et j'aurais aimé avoir des petits plateaux pour l'entrée. Vous savez, genre en mode des barres de poche. J'ai pas trouvé de plateau qui me plaisait. Donc voilà, j'ai pris ceci. Vous allez dire que j'adore le bambou. Et ouais, j'ai pris ceci. C'est le bambou coffee and tea box. Alors, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. En gros, il se présente comme ceci. Et du coup, par-dessus, en général, on met la petite machine à café. Je dis que ça, c'est bien parce que je sais jamais où ranger capsule de café. Alors moi, je bois pas trop de café. Enfin, ma mère est une grande consommatrice de café. Moi, je suis entre le café et le thé. Genre, je bois un peu des deux, mais pas méga régulièrement. Enfin, je sais pas où ranger les choses. Après, on a une boîte en plastique, mais bon, c'est moche. J'aimerais bien ranger pour que ce soit esthétique. Sauf que connaissant mes parents, c'est mission impossible. Je crois que c'était 9,90 ou 9,95. C'était moins de 10 €, mais presque 10 €. Et je me suis dit que ça, c'est sympa, vous savez, parce que là, vous avez plusieurs tiroirs, compartiments, et vous pouvez bien ranger. Enfin, l'idée, c'était ça. En théorie, c'est ça. En pratique, on verra. Je me dis que ça peut être sympa. Il y a une plaque en verre. J'avais pas prévu ça. Enfin, je pensais que c'était que en bambou aussi. Mais il y a écrit boîte à café ou à thé en bambou avec plaque de verre décorative et tiroir. Attendez, on va ouvrir. Ah ouais. Au cas où, la taille c'est 30 par 30 par 10. Mais je comprends pas comment ça s'en est. Oh. Ok. Ok, bon bah si je comprends bien, ça va être comme. En fait, c'est comme ceci. Vous avez la plaque en verre qui est bien fixée. J'aurais préféré peut-être une plaque en verre transparente, honnêtement. Parce que je ne suis pas sûre de cette déco-là. J'espère que vous ne voyez pas le bordel chez moi. Mais oui, j'ai la ring light et mon lit n'est pas fait. Ah ! Oh ! Alors, je m'attendais à ce que ce soit plus profond. Regardez, c'est comme ceci. Je pensais que le tiroir, il s'ouvrait plus, mais non. C'est peut-être moi qui bug, je sais pas. Attendez. Mais en gros, il n'y a que en bas ici où on peut ranger des trucs. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que s'il s'ouvre plus. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une séparation ici au milieu et qu'on peut mettre plus de choses à l'intérieur. Je vais voir, je vais installer ceci quand même. Ih, je vous ai fait bouger. Sorry. Bon, j'espère que j'ai pas trop bougé. Je vais essayer d'installer ça après dans ma cuisine et après on verra. C'est sympa qu'ils aient mis un truc en verre parce que vous savez, des fois, quand vous faites du café et qu'il y a des gens pas très doués, et bah le café, il peut arriver sur la surface. Donc voilà. Écoutez, on va tester, on verra bien. Ça va être des trucs plus petits, un peu random, mais je vais vous montrer. Vraiment les premiers trucs que j'attrape. J'ai repris ceci. Je m'en souviens, avant de déménager, j'en avais repris une bouteille parce que j'avais quasiment fini la bouteille d'avant. Et d'ailleurs, je l'ai fini. Mais je sais pas où est-ce qu'elle est avec le déménagement. Donc, j'en ai repris une. J'aime trop les frites. Donc, sauce algérienne, un petit peu la base. Ensuite, j'avais un peu faim. Donc, j'ai pris ça. Et ça, c'est nouveau, non? Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est des sneakers creamy peanut butter. Il y en a 5 à l'intérieur. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et ça fait 180
2,50 g. Ah, attends, il y a écrit 2 x 2. Ça veut dire, ah, c'est pas des grands sneakers. Enfin, vous savez, dans une barre, c'est coupé en deux. Donc, c'est sympa. Voilà, je vais prendre ça quand je vais aller travailler parce que le matin, maintenant, je préfère dormir que de me réveiller plus tôt pour manger. Vous voyez, enfin, voilà. Ensuite, ah, ça c'est mon père qui a pris. Moi, prendre des tournevis. De la marque Werkman, tournevis. Et vous avez toutes les tailles de tournevis. Il y en a 6 à l'intérieur. Voilà, hein, écoutez, tournevis. J'ai pas grand-chose à dire. Mon père a dû prendre ça parce qu'en ce moment, on monte beaucoup de meubles. Ensuite, un petit paquet de 3 éponges comme ceci. S'il faut qu'on change les éponges de chez nous. Donc voilà, est-ce que c'est très intéressant? Je ne pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Heavy Dusty Scrub Sponge Powerful Cleaning Extremely Durable. Ah oui, parce qu'il y en a des fois, il y en a, vous savez, les petites... à un moment, je prenais ceux-là. Quand je fais la vaisselle, et ben, c'est tout mou. J'aime pas du tout. Du coup, ça, on a fini le stock qu'on avait. On les achète plus du tout parce qu'elles sont trop molles. J'aime pas la texture, en tout cas. Ça, c'est plutôt classique. Les sneakers crisp, pareil. Je me suis dit, je mangerai ça dans le métro. En allant au travail, parce que maintenant, oui, je prends le métro. Vu que j'ai changé de travail, ça fait d'ailleurs officiellement une semaine que j'ai commencé là-bas. Et tout se passe bien. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est sympa. J'ai pris ceci, il y en a 6 à l'intérieur et ça fait 240 grammes pour le paquet. D'autres éponges, oui, toujours plus. Spargo. Ah, c'est pas la même marque. Là, c'est les Spargo Sponge Scrubbers. J'aime bien les produits Spargo. Et là, c'est Muesli. Ensuite, j'ai repris mon petit liquide à lentilles. Vous savez, c'est pour nettoyer les lentilles vu que moi, je mets pas tout le temps des lentilles quotidiennes. Les journalières, par contre, c'est sympa quand on est en vacances ou quand, par exemple, je sais que je vais rentrer tard et que j'aurai la flemme de faire tout le process, bah, je mets des journalières parce que l'autre, il m'en restait plus énormément. Ensuite, j'ai repris un petit gobelet comme ceci en espèce de faux marbre. J'en avais pris deux avant que je parte en vacances. Et là, j'ai pris un troisième pour mon père, quoi. Je sais pas pourquoi j'en avais pris que deux. Là, en plus, c'est la collection marbre. Il y a quasiment plus rien. Je suis trop contente d'avoir tout pris la dernière fois. Enfin, il manquait que lui. Mais je pense que peut-être qu'il y en avait plus. Je ne sais plus. Enfin bref, du coup là j'ai pris un troisième gobelet pour mon père. Comme ça j'aurai une salle de bain plutôt clean. Bah toujours plus de tournevis. Bah oui papa. J'allais dire je comprends pourquoi mais en fait non. Et des tournevis plats et des tournevis vous savez cruciformes. Et l'autre d'après ce que j'avais vu c'était cruciforme. Donc à voir. C'est toujours la même marque et il y en a 6 à l'intérieur. Ensuite j'ai pris des enveloppes comme ceci grand format. Ça me sert en général soit pour envoyer des documents, soit faire des petits colis Vinted, vous savez, quand c'est pas grand-chose, quand je sais que ça va pas casser. Par exemple, je sais pas moi, genre un petit haut style un débardeur ou du make-up comme par exemple du rouge à lèvres ou autre, bah je peux les mettre là-dedans. Je sais que ça va pas casser, ça ne craint rien. Et puis voilà, c'est pratique. Donc j'ai pris ça parce que avec le déménagement, en fait, tout ce qui est papeterie, etc., je sais plus du tout où est-ce que ça se trouve. Ensuite, mon père en a pris 4 et comme ceci, c'est de l'energy drink. Moi, j'en bois quasiment jamais, j'avoue. Des fois, je prends du Red Bull, mais pas beaucoup. Et là, c'est energy drink, original, taurine et caféine. 250 ml, il en a pris 4 comme ceci. Il a pris ma voiture, ça veut dire que je vais retrouver des canettes vides, des bouteilles vides, etc. Et vraiment, ça va me saouler parce que j'en ai marre de faire le ménage. J'ai l'impression que je fais que ça depuis que je suis rentrée de mes vacances. J'essaye de ranger au maximum et j'avoue qu'aujourd'hui, j'étais off. J'ai rien fait parce que je me sens pas de faire... Enfin, je me sens pas d'humeur à ranger, à nettoyer et à trier parce que là, vraiment, je suis pas dans le mood et je me suis dit que bah, je vais pas me forcer en fait. J'espère quand même que cette petite vidéo aura été agréable pour vous. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Action. Honnêtement, je voulais prendre des décos d'automne parce que maintenant que j'ai mes radiateurs, il faut que je prenne des étagères, etc. et que je les fixe. Je me suis dit que je peux mettre des décos et en vrai, il n'y a rien d'automne. Vous savez, j'ai l'impression que automne, Halloween et tout, ça a sauté. Il y a direct Noël et je trouve pas ça très cool hein, parce que moi, j'aime bien l'automne quand même. C'est joli, les citrouilles. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai vu tellement de jolies décos d'automne, mais je pouvais pas les prendre parce que bah c'est lourd dans la valise et ça aurait pas tenu vu comment ils traitent les valises. Dites-moi si jamais vous avez pris des choses intéressantes soit à Primark soit à Action au niveau déco parce que moi c'est
un peu ce que j'ai voulu prendre, mais j'ai pas trouvé de déco très intéressante. Sauf à Primark, j'ai trouvé que il y avait pas mal de choses intéressantes. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai même pas pris la peine de mettre mes lentilles pour vous dire, je vois flou, je vois le monde en flou, alors que d'habitude, je vois tout en HD, c'est trop bien. Donc, c'était compliqué de faire du shopping. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!